Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Comme vous l'avez vu dans les titres, c'est pas de la blague, c'est la partie 2. On parlera de la face cachée du satanisme qui se trouve dans la musique. Donc, d'où la musique satanique. C'est la partie 2. La partie numéro 1 apparaîtra à la fin de cette vidéo sur le camp, soit ici ou là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est quoi le satanisme dans la musique? C'est quoi une musique satanique? Une musique satanique, c'est une musique chantée par les démons. Une chanson chantée par les démons ou encore par des gens possédés par des démons. Donc, les musiciens ici ou encore les chanteurs seront eux-mêmes satanistes. Est-ce que vous comprenez? Sataniste. Et comme ce sont des satanistes, ils vont véhiculer des messages sataniques. Ce sont des messages très mauvais qu'ils mettent dans les clips, mais de façon cachée. Ça peut même être caché dans leur musique. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils les appellent même des messages subliminaux qui ont pour but d'affecter, de pousser les gens à faire des choses négatives. Parce que le diable et le satanisme, c'est pas une chose bonne. Ça veut dire que là, des mauvaises valeurs seront inculquées, enseignées aux enfants. Ça veut dire que toutes les personnes qui deviendront automatiquement fans de telles personnes qui se trouvent dans le satanisme, directement, ces personnes seront en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous avez vu? Et c'est là le problème va se créer. Parce que les personnes exposées à toutes ces choses sataniques, ce sont nos enfants, en plus les jeunes. Ça veut dire que le diable a utilisé les clips et de telles musiques pour pouvoir influencer la jeunesse, influencer les jeunes sur la mauvaise voie. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est vrai au travers des images, même que nous allons vous montrer par la suite. Et vous devez savoir que il existe des choses qui sont typiquement occultes, qui sont typiquement diaboliques. Et ça existe réellement dans la musique. Quand on parle des pactes avec le diable, la plupart du temps, les gens ont du mal à croire que c'est vrai. Mais quand de telles célébrités elles-mêmes se lèvent et viennent nous confirmer cela, là, les choses commencent à devenir plus perceptibles et même visibles et compréhensibles. Restez connectés, ça parlera de pacte avec le diable. Un homme, lors d'un spectacle, où on récompense les gens, il va parler de comment les gens signent le pacte avec le diable. Il va expliquer que ça se signe avec le sang. Et un autre, genre dans une comédie qu'ils vont organiser, un autre va dire que lui, pour devenir célèbre, il a dû vendre son âme. Et ça va être genre comme un jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné de l'année, ces artistes, ces superstars qui sont dans le satanisme, ils se retrouvent dans une fête et ils se récompensent. Il y a des élites qui sont dans le satanisme. Ce sont eux, ce sont telles, ces élites-là, qui récompensent les gens qui sont des marionnettes qui se trouvent devant nous à la télévision, qu'on a l'habitude même de voir. Et vous allez voir, suivez-nous, allons au studio là. Parfois même quand on parle trop, c'est pas bon. Nous allons voir de nos propres yeux ce genre de choses. Si vous n'êtes pas abonné, comme on vous l'a dit, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Et partagez là maintenant la vidéo parce que ce que nous allons voir maintenant, c'est pas du jeu. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Cette personne-là, le camp, est supposée être une superstar, une personne qui chante, et c'est le clip qui est là. Et cette personne est pilotée par l'élite, est pilotée par des gens qu'on appelle, pour la plupart du temps, on les appelle, on leur donne le nom des Illuminati et autres.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le diable qui est derrière, c'est ce qui nous intéresse. Et derrière, on peut voir ça. Ça veut dire que ces élites-là vont tout simplement piloter cette personne et cette personne sera utilisée comme une marionnette. Et tout ce que vous nous demandez de faire, c'est ce qu'elle va faire. Parce qu'elle a signé un pacte avec eux. Et c'est ce qu'on appelle le pacte avec le diable. Et puisque cette personne est pilotée, tout ce qu'on va lui demander de faire, c'est ce qu'elle fera, comme on vous l'a dit. Et ce qu'elle fera, c'est de partager un message satanique à la jeunesse, aux enfants, à tout le monde. Ainsi, elle sera en train de pousser les gens à accepter les démons et le diable en même temps, juste par sa musique, ses œuvres musicales et d'autres choses. Et comme vous le voyez, ici, on se trouve dans un clip. Dans un clip, hein, où apparaissent beaucoup de choses qui viennent du monde des ténèbres. Si vous avez regardé la partie numéro 1, on vous a montré un site web où tous ces symboles qui se trouvent même là derrière vous aussi, ils étaient tous là présents là-bas. Tous ces symboles-là étaient présents et les gens les étudiaient pour les introduire dans les clips. Donc, ils vont introduire des symboles occultes dans les clips. C'est là l'idolâtrie commence. Et ça, c'est de la sorcellerie parce que les sorts sont lancés sur les gens. Et la plupart du temps, les gens lancent, quand ils font ces clips, les caméras sont braquées sur eux, sur les mains et sur leurs yeux, de sorte à balancer ce message-là sur la caméra. Et tous ceux qui vont regarder la caméra ou encore tous ceux qui seront braqués à la télévision recevront directement la malédiction. Ça, on l'a fait hier dans la première partie. Vous pouvez la regarder absolument, c'est indispensable. À la fin de cette vidéo, vous allez regarder cette vidéo-là. Mais regardez plus près. Plus près, déjà, vous pouvez voir qu'on voit un œil ici. Et cet œil-là n'est pas là pour rien. Cet œil-là est un œil de la magie égyptienne. On l'appelle même the All-Seeing Eye. Et cet œil-là est aussi appelé en français l'œil qui voit tout. C'est un œil mystique qu'ils mettent en avant pour nous dire qu'ils voient tout ce qui se passe dans cette terre et tout le monde le contrôler. C'est ce que c'est censé dire. Et on voit également un animal très utilisé dans le satanisme. Et cet animal-là, cet oiseau-là, cet animal est un oiseau nocturnien, un oiseau qui ne sort uniquement que la nuit. Ça veut clairement dire que tout ce qui se passe ici ou va se passer dans ces clips, ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Ce sont les choses qui sont censées être cachées dans la nuit ou se passer dans la nuit. Et ça, tout le monde est susceptible de recevoir ce sort-là. Parce que c'est une musique populaire, c'est un clip que tout le monde peut voir, même nos enfants. Déjà, regardez comment ça se présente. Voici comment ça se présente la plupart du temps. Ça se présente ainsi. Des enfants qui sont juste là, assis à la maison. Et ces enfants sont assis où? Ils sont assis devant la télévision. Est-ce que vous voyez? Donc, ces enfants assis devant la télé vont regarder, découvrir le monde entier, le monde sous un autre aspect, vont découvrir le monde sous un autre aspect. Et c'est là, ils vont apprendre ce qui se passe concrètement dans notre monde parce que ils sont arrivés dans ce monde et ils ont peu de connaissances. Donc, le diable, sachant que les enfants veulent, ont une forte curiosité, c'est-à-dire ils veulent vraiment découvrir ces choses, il va leur proposer les œuvres du monde des ténèbres qui seront cachées sur quelque chose de bien. C'est-à-dire cette chose-là qui représente la couleur blanche qui se trouve derrière, sur ce camp. Ça veut dire que l'habillement noir que portent ces personnes qui sont là ne sont pas là pour rien. Ce vêtement noir n'est pas là pour rien. Nous voulons venir salir les âmes qui sont pures. Le voyez-vous? Voilà. Là, c'est comme si on disait que nous allons venir. C'est comme le style, les satanistes disaient,
nous allons venir salir les âmes qui sont pures. Et les âmes qui sont pures, ce sont nos enfants. Les âmes innocentes. Donc, ça, ces vêtements noirs qui sont là, sont conçus pour être la marque des serviteurs de Satan. En fait, c'est ce que c'est censé représenter ici. Et automatiquement, la danse va commencer. Vous verrez que les enfants sont en train de regarder sur la télévision, voient les gens en train de bouger, se manifester, danser, remuer, faire exactement comme ça. Du coup, les enfants qui sont purs, puisque les enfants n'ont pas la connaissance du danger de toutes ces choses, ils vont tout simplement se mettre à les copier, se mettre à les représenter. Et c'est là que les enfants vont entrer dans le satanisme sans le savoir. Ils seront directement amenés à servir le diable, à honorer le diable, à l'adorer. Voici comment le diable forme son royaume sous nos enfants, sous le regard de la télévision. En ce moment, les parents ne sont pas là à voir ce qui se passe concrètement dans le noir, que se passe à la télévision. Et c'est là tout le monde, la jeunesse va être pervertie. Et les jeunes vont se mettre à regarder ces choses terribles, à faire ces choses vraiment hallucinantes. Des choses hallucinantes. Oh, derrière ça se trouve le mal. Et regardez ce qui se passe partout où elle est. Elle ne fait que danser avec ses fesses. Elle ne fait que danser avec ses fesses. Et pendant qu'elles sont en train de danser, puisqu'elles sont en train de danser des danses qui viennent du monde des ténèbres, à un moment donné, ces gens-là se fracturent. Ils peuvent se casser le bras. Ils peuvent même se casser la tête. Même certains meurent dans ça. Oui, c'est réel. Et ces danses-là, puisque ça vient du monde des ténèbres, ce sera des danses qui vont, à un moment donné, pousser les gens au suicide ou encore à la mort. Et que va-t-il se passer? Ils vont venir les tirer, comme vous les avez vu. Ils vont venir les prendre comme ça et aller les enterrer. Mais où vont les âmes? Les âmes vont directement en enfer parce que ce qu'ils ont choisi, c'est le diable et ses démons. Et voici une femme. Et c'est là, de ce spectacle populaire là, que les gens, que nous allons entendre parler de ce qu'on appelle décidément le pacte avec le diable. C'est une cérémonie gigantesque à laquelle beaucoup de personnes assistent. Et ces deux personnes à l'écran, ils vont nous expliquer clairement ce qu'ils ont fait de leur journée. Et vous allez voir que ces genres de choses sont réelles parce que les gens qui sont à l'intérieur de ces vidéos sont vraiment connus et réels. Et c'est là que nous allons vous poser des questions. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que c'est normal de recevoir des soutiens-gorge comme ça? On te jette des soutiens-gorge comme ça, juste là. Est-ce que c'est pour rigoler? Et un signe 666 exécuté avec la main. Ça veut dire qu'on se trouve dans un autre monde. Et dans ce monde-là, tout ce qui est immoralité, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est irreligieux est publié. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. Et c'est notre monde. Et là, ils vont se faire plaisir. Et ce sont les superstars. Dans la vie, ne cherchez pas à ressembler aux personnes connues, aux superstars, toutes ces choses. Parce que si vous cherchez à ressembler, vous allez ressembler à un moment donné au diable. La personne qu'on veut copier, c'est Dieu. Regardez même ici. Là, ils se mettent les deux à parler et vous allez voir ce qu'ils vont dire. Vous allez entendre, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Ça sera écrit ici. On dit, béni, est-ce que ça va? Là, il y a l'un d'entre eux, voilà, celui-là pose la question à ce gars. Il lui pose la question de son homme, dis-moi, est-ce que ça va? C'est là, ce dialogue-là va commencer. Et c'est ici, ils vont nous parler du pacte avec le diable et comment les pactes sont signés. Vous allez comprendre. Regardez ça, il écrit, béni, comment tu vas? À ce moment, il va répondre, ce gars, ce dernier, il va répondre pour dire, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas très bien que vain. Voilà. Il dit, pourquoi es-tu dans cet état, béni? À ce moment, il va prendre la parole pour dire, eh bien, c'est parce que j'ai signé des contrats avec mon sang toute la journée. Quoi? Quoi?
Est-ce qu'il a dit juste pour faire le buzz ou juste pour rigoler? Sachant que, et en réalité, il y a des superstars qui ont elles-mêmes révélé l'existence du contrat avec du pacte avec le diable, vendre avec son âme avec le diable et signer des pactes avec le sang. Et c'est réel. C'est dans ce spectacle-là connu que ces gens-là ont décidé de révéler toutes ces informations troublantes. Regardez, on nous dit, eh bien, c'est parce que j'ai signé des contrats, comme vous le voyez, des contrats avec mon sang toute la journée. Là, quand il parle ainsi, tout le monde dans la salle ne faut que rigoler. Mais ceux qui comprennent le danger de la chose, là, c'est la tristesse qui les anime. Parce que vendre son âme au diable, ce n'est pas rien. Signer un pacte avec le sang, un contrat avec son sang, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Donc, ils en rigolent, mais en même temps, ils se posent la question, mais ah, comment est-ce qu'il a pu révéler un truc pareil? Et ils vont plus loin. Les deux vont se mettre à parler encore pour dire. Il dit, ce gars, il dit, du sang, puf, c'est rien du tout. Regardez, du sang, puf, c'est rien du tout. Jean pourra lui dire que, effectivement, ce que tu as fait, ça a l'air dangereux pour toi, mais laisse-moi te dire que ce n'est rien. Parce que moi-même, ce que j'ai fait, je vais te le dire. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Là, maintenant, il va dire, j'ai dû, il dit, j'ai dû vendre mon âme pour devenir célèbre. Il dit, lui, il dit que lui, il a dû vendre son âme pour devenir célèbre. Waouh! Waouh! Et là, ils en rigolent. Pendant qu'eux sont en train de rigoler, mais ceux qui sont là, eux, ne rigolent pas. Parce que ces personnes savent que ce n'est pas un truc avec lequel on peut rigoler facilement. Et ils se remercient, eux, en faisant des signes avec la main, vous allez voir tout de suite. Ils se remercient, eux, en faisant juste des signes avec la main. Vous allez voir tout de suite. Ils n'en rigolent pas. Et ils se remercient en faisant des symboles avec la main. Ça, c'est pour dire que, après avoir signé le pacte avec le diable, ou encore vendu les âmes au diable, pour devenir célèbres, ils sont automatiquement entrés dans leur secte, dans leur groupe de satanistes, ou de sorciers, ou d'occultistes. Et désormais, pour se montrer, pour montrer qu'effectivement ils font partie du game, ils font partie du gang ou du groupe, eux, voici les signes qui les représentent pour ce qu'ils utilisent pour se saluer. Et c'est normal. Ils doivent bien se saluer entre eux. Et nous, quand on voit ça, automatiquement dans notre tête, on se dit que ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ils ont signé un pacte avec le sang, un contrat du sang avec le diable. En plus, ces personnes-là ont tout simplement fondu leurs âmes au diable. Et c'est là que ça devient grave. Et ils se saluent. Et c'est comme de la blague. Ça passe comme ça, comme un jeu. Et il dit, il n'ira plus le bouddhi. Cette année, les nominés pour la marionnette Illuminati sont, écoutez bien, cette année, les nominés pour la marionnette Illuminati sont. Vous voyez, qu'est-ce que ces phrases veulent dire? Ça veut dire que les Illuminati, ce sont un groupe de grands sorciers qui sont là pour piloter les gens. Des gens qui sont des superstars de la musique, qui vont tout simplement donner des choses qui sont typiquement remplies de satanisme ou encore qui viennent du monde des ténèbres. Mais vous allez voir que, effectivement, les nominés là, ce seront des gens qui vont faire ces choses que nous allons vous présenter ici. Des yeux fermés. Vous avez vu ça? Revenons juste un peu en arrière. Et ces gens qui vont publier carrément le message démoniaque ou encore qui vont nous parler des démons dans les clips et la musique. Voilà, vous allez voir, voilà,
des yeux fermés comme ça. Ça, quand vous voyez ça, vous dites quoi? Vous dites qu'il y a possession démoniaque. Quelqu'un est possédé par un démon. C'est pourquoi ses yeux deviennent comme ça. Parce que Dieu n'a pas créé un être humain avec de tels yeux. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on voit des femmes enfermées dans les cages. Et on nous dit une chanson sur des femmes traumatisées, enfermées dans ces cages, dans des cages. M, c'est cette personne. C'est le personnage en question dont le nom ici. Ouais. Donc on dit une chanson sur des femmes traumatisées, enfermées dans des cages. M, ce dernier. Ça veut dire quoi? Qui représente ces femmes-là? Ces femmes enfermées dans les cages. Ces femmes enfermées dans ces cages-là, ce sont des gens qui aiment d'abord la chanson. Une chanson qui aime, ils aiment d'abord la chanson. Qui les chantent en longueur de journée, même des millions de fois. Ce sont des personnes-là qui sont comme des femmes folles, des vierges folles. Dans la Bible, on parle des folles. Des folles, des femmes qui ont des lampes, qui sont des folles, des vierges folles. Lisez la Bible, vous allez voir. Et on nous dit que ces femmes-là, le mot traumatisé, femme traumatisée, c'est comme on dit femme folle, comme dans la Bible. Donc toutes les femmes qui vont écouter ces musiques, automatiquement vont se transformer en femmes folles, ou femmes qui sont traumatisées, c'est-à-dire des femmes qui sont plus précisément enfermées dans des cages. Dans des cages parce qu'ils aiment les œuvres du monde des ténèbres. Vous voyez, c'est réel. Et ces femmes sont décidément enfermées dans des cages. Dans la première partie, on vous a montré cette cage à la fin de la vidéo de la première partie. Et regardez que c'est vrai. Et ces femmes en question là, on vous l'a dit, ce sont les femmes qui vont aimer les œuvres du monde des ténèbres ou encore ces chansons là. Voici ce qui se passe spirituellement parlant. Et on les récompense pour avoir réussi à enfermer les âmes de plusieurs femmes. C'est comme ça. Donc, ici, ils vont choisir de récompenser ceux-là même qui ont fait le plus grand travail. Vous voyez, on nous dit ici, avec des papillons, Satan et une baignoire remplie de sang. Vous voyez, vous pensez que c'est de la blague? Si vous pensez que c'est de la blague, regardez, revenons juste un peu en arrière. On voit, ça revient juste un peu, vous allez voir. Cette baignoire remplie de sang. Vous allez voir. Vous allez voir. Ouh, revenons juste un peu en arrière. Vous allez voir que c'est. Il y a une de ces femmes-là. Il y a des langues de serpents, des langues de reptiles qui sortent carrément de leur bouche. Je viens de voir ça même tout de suite. J'espère que ça ne va pas passer très vite et qu'on pourra capter. Non, mon Dieu, c'était ici. Oh, oh mon Dieu. Revenons en arrière. Vous devez absolument voir que il y a vraiment des choses graves qui se passent dans ce monde. Ça a l'air simple, mais c'est réel. On va regarder image par image pour que vous puissiez bien voir. Regardez cette femme qui est là. Vous la voyez? Regardez-la bien. Une langue. Regardez cette langue qui est sortie de sa bouche. Vous voyez cette langue? Vous voyez cette langue? Cette langue-là est sortie carrément de sa bouche. Regardez ça. Ça sort. Ça veut dire que c'est un démon. Elle est devenue un démon. Et vous avez vu ces femmes-là qui étaient dans la baignoire avec du sang. Tout ça, vous pensez que c'est de la blague? Si c'est de la blague pour vous, nous allons vous dire que ces gens ne récoltent pas. Et ils sont en train de faire le satanisme. Et on va les récompenser pour le nombre d'âmes que ces personnes ont pu avoir partout dans le monde. Et le satanisme, il y a le satanisme, c'est réel, il y a la sorcellerie. Et regardez comment les gens dansent. Une personne qui a voulu se mettre nu comme ça pour les danser devant les gens, et on appelle ça une bonne affaire. Les enfants ne savent pas ça. Vous peut-être vous êtes conscient de cela, mais les enfants ne le savent pas. Ils sont braqués à la télévision en train de regarder. Pour eux c'est juste un jeu, puisque ces gens là ils utilisent des méthodes très simples pour pouvoir les avoir, comme des petites choses comme ça. Vous n'imaginez pas les âmes que le diable et ses démons utilisent contre vous. C'était sûr, le diable laisse toujours sa signature. Et c'est sa signature qu'elle a. Pendant que de l'autre côté ici, on assiste à quelque chose de dégueulasse. Une personne qui met sa main dans la bouche comme ça, son doigt dans la bouche comme si c'était dans sa partie intime,
et elle vomit du chose comme si c'était du spermatozoïde. Elle vomit ça sur elle. C'est dégueulasse. Pendant que le show se passe et que tout le monde voit ça. Mes frères et sœurs, ce qui sera le plus récompensé selon vous? Le plus récompensé, ça sera celui-là même, ou encore cette personne-là, qui fera le plus de mal possible aux enfants. Cette personne-là même qui fera le plus de mal possible aux enfants. Et ils sont là, juste là, comme ça. Juste là, ils sont là regroupés. Oh, on doit récompenser cette personne, ou encore cette célébrité qui a fait le plus de mal possible, qui a plus perverti la jeunesse. Et le résultat est là. Sous le regard encore de nos enfants assis carrément dans leur fauteuil à la maison. Sous le regard de nos enfants assis dans leur fauteuil à la maison. Et leurs enfants vont regarder ça. Et c'est la joie pour eux. Faire le mal, c'est la joie pour eux parce qu'ils sont déjà possédés par les démons. Comme cette femme qui se trouvait dans la cage. Et ce qui est étrange ici, c'est que cette femme qui est là, c'est elle qui a été choisie. Elle était une bonne fille, un bon enfant au départ. Mais à un moment donné, elle est devenue une enfant traumatisée qui a changé de comportement jusqu'à qu'il fait les choses dégueulasses. Au point où elle a fait cette chose-là qu'elle a à l'écran, c'est de se prendre une cigarette dans le sac et de s'allumer cette cigarette-là. Là, sous le regard des enfants. Là, c'est un message qui est véhiculé. Toutes les femmes qui veulent la suivre, décidément vont suivre également son comportement. Si ces femmes en question sont faibles d'esprit. Pour ne pas être faible d'esprit, il faut parvenir à la connaissance de ce que vous devez savoir. Quand tu as la connaissance, quand tu regardes même cette vidéo que nous sommes en train de faire et que tu découvres ça, ça t'ouvre les yeux automatiquement. Ça fait que quand tu vois de telles choses, ça n'a plus d'effet sur toi parce que tu es délivré déjà. Et nos enfants doivent être délivrés. Les parents doivent éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Mais vous devez savoir que toutes ces choses sont sous vos yeux aujourd'hui, sont sous nos yeux. Chaque foyer a une télévision au moins. Les enfants même vont sur Internet. Dieu sait ce qui se passe. Les enfants sont exposés à toutes sortes de choses bizarres. Sur les réseaux sociaux, sur Internet. Regardez comment les gens sont. À 14 ans déjà, la fille elle fait de la chirurgie esthétique. À 15 ans, on ne la retrouve plus. Les enfants connaissent le sexe à un âge très bas. À 15 ans. Voire même 13 ans, plus de 13 ans. La plus jeune meurt à 9 ans. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de ce qu'on regarde à la télévision. Tout ce qu'on nous enseigne. Mes frères et sœurs, toutes ces choses sont réelles. Si on ne vous a pas révélé toutes ces choses, vous direz que... Oh! Je ne savais pas, c'est pourquoi je suis tombé dans ce piège. Je ne savais pas, c'est pourquoi je suis tombé dans ce piège. Les plus visibles par le diable. Ceux que le diable veut emporter dans sa maison, ce sont décidément qui? Nos enfants. Nos jolis enfants. Et vous avez compris qu'effectivement, les gens veulent nous faire découvrir le satanisme. Et quand quelqu'un devient sorcier ou sataniste, il cherchera à initier les gens. Et ceux qui veulent initier, ce sont les jeunes. Et dans ces genres de clips, dans ces genres de musique, les gens parleront toujours mal du Seigneur Jésus-Christ. Ils parleront toujours mal de tout ce qui est religieux. C'est-à-dire que ces gens-là seront en train de propager des messages sataniques dans la musique, dans les clips, qui auront pour but de rendre les gens du monde entier, et même la jeunesse, irreligieux. Irreligieux. Tout ce qui est bon, eux n'aiment pas ça. Eux, ils aiment tout ce qui est du sale. C'est à ce moment, ils vont aller faire des contrats avec le diable. Ils vont aller faire de ces bails noirs. Ils appellent cela des bails noirs, des bails noirs, des bails très sales avec le diable et ses démons. Oui, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Tout ce que nous sommes en train de vous dire ici sont réels. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Tout ce que vous devez faire, c'est de partager cette vidéo au maximum. Pour que des gens puissent parvenir à la connaissance. Juste le fait de regarder la vidéo seulement là, ça te délivre. Ça te délivre. Sauf ceux qui sont des cailloux ne pourront pas être délivrés par ça. Ne vont pas parvenir à la connaissance de ça. Et ceux qui seront même là dans la partie commentaire
en train de dire que non, c'est pas ça. Il faut voir les choses au second degré, au premier degré, ou comme ils le disent pour se cacher. La réalité est là. L'enfant, quand il regarde ça, il se met à danser exactement comme sa star. Or, c'est une danse satanique qui vient du monde des ténèbres qui est susceptible de le tuer. Récemment, dans un pays ici, les gens ils se sont mis à danser. Il y a un jeune homme, il dansait et lui, sa danse là. C'est une danse, il danse, il saute, il fait des pivots, il danse. C'est une danse, chez nous là-bas, un truc coupé, décalé. Et leur manière de danser là, c'est de sauter et tomber. L'enfant l'a sauté, il est tombé sur sa tête. Son cou s'est cassé, il ne s'est plus relevé, il est mort. Où est-il parti? Au paradis ou en enfer? Si ce qu'il était en train de faire, c'était à la gloire de Dieu, à 100% il allait au paradis. Mais si c'était une chose, c'était un truc juste pour faire plaisir aux hommes et qui n'est même pas la gloire de Dieu, il n'ira pas au paradis. Juste à cause de ça, nous voulons sauver des âmes. Le diable veut faire des enfants et des jeunes son armée. Dieu a vu ça et nous a poussé à faire cette vidéo, c'est pas pour rien. Abonnez-vous, partagez la vidéo et changez de voix. Et vous-même, commencez déjà à faire des recherches. Au lieu d'aller sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour vous mettre nu et vous tirer point dans photo, soyez plutôt des gens qui vont sauver des vies, sauver des âmes. Jésus revient, les gens meurent passés par là, la jeunesse, les gens meurent tôt. Vous pensez que c'est pour rien? Faites attention mes frères et sœurs, réveillez-vous, réveillons-nous. Et partagez au maximum cette vidéo comme on vous l'a dit. Et soyez prêts, nous venons de nous réveiller et le travail commence maintenant. Pour nous sommes de fous.